Dites-moi quel genre d'entraînement je vais suivre. Est-ce qu'il faudra que je fasse ces exercices? En quoi ça va consister au juste? Pour le moment, je ne te demanderai qu'une seule chose. C'est de survivre. Quoi? Vous avez bien dit survivre? Exactement. Tu devras survivre par tes propres moyens. Je vais te laisser seul ici. Et si dans 6 mois tu es toujours vivant, je t'apprendrai à te battre. Vous allez m'abandonner dans ce désert pendant 6 mois entiers? Non, je vais pas rester ici. J'ai pas envie, y'a personne à qui parler. Ne t'inquiète pas, tu ne manqueras pas de compagnie avec tous les animaux sauvages qui rôdent par ici. Parce qu'en plus, il y a des animaux sauvages. J'ai peur, ne me laissez pas tout seul. Ça suffit, ce n'est pas le moment de faire des enfantillages. Conduis-toi comme un homme. Je suis encore tout petit. Tu dois survivre pendant 6 mois ici pour pouvoir affronter les plus grandes difficultés. Tu dois te préparer physiquement et spirituellement. N'oublie pas que l'avenir de notre planète dépend de toi désormais, car tu es le seul qui soit assez fort pour venir à bout des guerriers aussi redoutables. Mais il te faudra d'abord apprendre à développer ta force au maximum. Mais moi, je suis trop petit. Je te laisse. Mais attention, je ne te conseille pas d'essayer de quitter cet endroit. Fuir ce désert est encore plus risqué que d'y demeurer. C'est aussi difficile et inutile que d'essayer de s'enfuir de l'enfer, si je puis dire. Mais attendez, comment je vais faire pour boire et pour me nourrir? Où est-ce que je vais dormir? Y a rien ici, y a même pas un seul lit. Et puis quoi encore? Est-ce que tu crois que je t'ai amené ici pour passer des vacances? Vous n'avez pas le droit de me faire ça! C'est cruel! Tu dois savoir que la vie est parfois injuste et que nous n'y pouvons rien. J'ai appris ça à mes dépens.